First of all, thank you very much for this presentation. We are not taking questions here. We'll wrap up in the afternoon, I think. As Chris Martin puts it in his commentary. Now, the appearances of art, its lies, start with the impression of unity, which a museum, albeit an imaginary one, can impose on us. Geographical unity, which is to say, world. Or historical unity, otherwise put, timeless. Well, timeless are basic concepts. In Les Statues Noctocies, dialogue established between the four oneself. Le problème, c'est que devant le musée imaginaire de Malraux, nous avons un style très puissant de à la fois conceptuel et visuel. La question est de savoir à quoi aboutit cette entreprise. Bon, j'ai parlé de ça aujourd'hui à la Documenta sur la base du fait que, d'après ce qu'on m'a expliqué, que je ne savais pas il y a quelques mois, les premières Documenta, la première en 1955, étaient beaucoup influencées par le musée imaginaire de Malraux. Voilà. Donc, je viens de faire, pendant plus d'une heure, je crois, une critique du musée imaginaire de Malraux. Donc, posons la question, est-ce que la Documenta est encore aujourd'hui influencée par le musée imaginaire de Malraux, ou c'est tout autre chose? The African artist does not simply enchant us, he also reminds us, I repeat again, that his role consists in returning the blows that his brother receives in the street. He even dared to grab a camera to himself, compose the historicity of his struggles, or alternatively the state of our own cultures in all the possible meanings of his expression concerning us. Ce qui est remarquable chez Malraux, c'est que le point de départ, et probablement, c'est pareil pour la Documenta, le point de départ est remarquable. Et le point de départ est nécessaire. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est comment Malraux, en partant de choses, je joue un peu sur les mots en français, de choses bien pensées, vous voyez, est devenu quelqu'un de bien pensant. Vous savez ce que c'est un bien pensant en France, en français? C'est quelqu'un qui pense comme tout le monde. Donc, il au départ, proche de Walter Benjamin, tout ça, il dit des choses absolument remarquables et petit à petit, il décline ces choses et ça devient la doxa. Toute institutionnalisation suppose le danger de cet affaiblissement du discours, de cette réduction des aspects dialectiques. Voilà, la question se pose pour tout le monde. Pour moi, puisque je suis en train de vieillir, est-ce que je vais devenir de plus en plus bien pensant? Est-ce que je vais fixer ma pensée dans un dogme? Et puis, est-ce que vous, pareil, qui êtes derrière la caméra, vous êtes plus jeune que moi, mais bon, faites attention à ne pas figer votre pensée. Et les institutions, c'est pareil. Marker and René, as we well know, would have to undergo censorship of their documentary until, despite the Jean Vigo Prize, they won the Jean Vigo Prize in 1954. But the documentary, it was not possible to see it completely until 1963. Ce serait extrêmement insultant pour Malraux de dire qu'il était raciste. Il n'était évidemment pas raciste, je n'ai jamais voulu dire ça, mais dans sa propre approche des choses, il n'a pas laissé la place à ce que moi j'appelle les divisions historiques, les divisions anthropologiques, les divisions politiques. Il y a donc un consensus. La question est juste de savoir comment on voit les choses dialectiquement ou pas. Il est toujours dangereux d'entrer dans les consensus.
et de voir les choses de façon unilatérale. J'ai simplement essayé de montrer que Chris Marker et Alain René, dans leur film, Les statues mortes aussi, voient les choses dialectiquement. Et ça, c'est magnifique. Parce qu'il y a, à la fois un amour certain pour l'art africain, vu avec des yeux occidentaux, hein, on fera pas, on pourra pas faire autrement, mais en même temps, il y a une sensibilité aux divisions qui sont à l'œuvre, ce que Malraux n'a pas voulu voir. Bon, la question aujourd'hui, mais moi je pose la question, je n'y réponds pas, c'est est-ce que dans un cadre du monde de l'art aujourd'hui, notamment ici où nous sommes, à Kassel, tous ces gens qui sont très contents de voir plein d'œuvres d'art, est-ce que nous sommes plutôt dans un consensus ou dans une question dialectisée? Je ne sais pas encore, je viens d'arriver, donc je n'ai pas vu.